faut que ce soit comme ça. Mais je veux faire comment que ça tienne. Comment je fais pour que ça tienne? Dites-moi. Il y a la police qui arrive. Tu dois brancher ça, s'il te plaît, ma mère. Brancher quoi? Sur la lance-verse. La lance-verse, c'est ici. Là. Merci. Quoi, c'est une randonne qui conduit la voiture. C'est quoi? Non, c'est juste une femme. Je pensais que c'était une dame. Elle est perdue, elle va se faire cailler. C'est la même en plus qui était là tout à l'heure. Voilà, je vais chercher, je vais mettre la radio. Ah, le monsieur veut passer. Mais juste une badge là, le voyage en train, quand on passe oui, ta carte quoi. Ouais. C'est illimité. Illimité pour le même trajet, ouais. Ok. Les mecs qui font ça, c'est les mecs Yo qui est touché avec la bombe. Yo man, ça va? Alors, comment elle peut faire? Dites-moi là, les jeunes. Non, non, vous savez pas. Non, c'est vrai. En fait, je cherche un moyen pour que mon téléphone tienne tout seul pour filmer. Imagine. Oui, mais je vais d'abord positionner et je pars direct. Tu nous apprécies. Ben, c'est parce que tout à l'heure, le monsieur là nous a fait comme ça. Peut-être que ça ira. Est-ce que ça a un peu de filmer encore? Je suis brouillon. Ouais, c'est un peu de filmer encore. La police là, elle aussi s'embrouille comme moi. Hein. Elle ne sait pas où elle va. Pars vite d'ici parce que oui. C'est pas bon signe. Moi je serais pas rassurée de vivre ici à la place de la gauche. La police qui me claque son. Oh là là. C'est parti mon kiki, je mets de la radio. MDR, je cherche mon adresse, il y a une adresse qui s'appelle 59 avenue de l'URSS. Mais à tout de suite. En tout cas, c'est ce qu'il y a dans la tête. Même ça que la copine de Jean-Marie. On entend une époque quand même. Parce que ça heurte un peu vos oreilles aujourd'hui, mais ça ne les heurtait pas en 1973. Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, je crois que plus on lit Sagan à partir des années 70, plus on se rend compte qu'elle a, pour les hommes de son temps, une extrême mensuétude. Là, je pense que j'ai bien calé l'appareil. C'est-à-dire que cette performance sexuelle, elle est vraiment remise en question dans le lit des films de 1977, où on a affaire à la première héroïne qui s'appelle Béatrice Valmont. On peut voir à quel point on a affaire à une forme de libertine laclausienne comme ça qui débarque. Et en effet, les hommes sont de plus en plus dominés par les femmes, astreintes par elles, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue sexuel. Mais André Limy essaie beaucoup dans cet entretien qui va d'ailleurs devenir un livre, Tout le monde est infidèle d'ailleurs, qui porte ce titre-là, de lui faire dire des choses qu'elle ne va pas dire. Et comme disait Sagan, une fois que j'ai écrit un livre, tout y est, je n'ai pas à m'expliquer. On retourne écouter Françoise Sagan au micro d'André Limy. Dans vos romans, il y a quelqu'un d'important, c'est l'amant. Ben, oui. L'amant, c'est un personnage qui revient. En général, il est fascinant, c'est le nirvana, il est intéressant généralement. Hein? Forcément, tout comme un amant, ce n'est pas fascinant. C'est ce virage qu'a fait Jaloupé hier. Oui, il ne les prenez pas, vous. Quand il ne me fascine pas, je n'ai toujours raison de me mettre dans un groupe avec quelqu'un qui ne me fascine pas, enfin, qui ne me plaît pas. Même ma musique. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ça continue.